Vous l'avez sûrement remarqué, mais ça fait des mois qu'on n'a pas eu de Nintendo Direct. Et faut même avouer que c'est un peu inquiétant quand on sait qu'après Animal Crossing New Horizon, il n'y a plus de gros AAA prévus et datés. Car oui, certes, on nous a montré un trailer de Zelda Breath of the Wild 2, et oui, je sais que je le dis de manière totalement ignoble, mais pour l'instant, toujours pas de gameplay, genre carrément en jeu. On a eu un trailer, il est tout petit, et on sait quasiment voir rien sur le jeu. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous compiler dans une vidéo toutes les petites rumeurs et mes petites spéculations par rapport au prochain Nintendo Direct qui devrait normalement arriver très bientôt. Bienvenue à tous, c'est Schisto et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéculation, rumeurs et théories. Mais c'est à prendre avec des pincettes, énormément de pincettes parce que vraiment c'est des rumeurs et pas mal de spéculations, faut l'avouer. Bon, on commence tout de suite. Le premier énorme leak qu'on retrouve sur internet, et ça fait même quelques temps qu'on en entend parler, ça serait qu'un Nintendo Direct arriverait très bientôt, car apparemment il se déroulerait fin mars. Et on nous parle même d'une date, car on nous parle du 26 mars. C'est assez précis, et faut évidemment prendre ça avec des pincettes. Mais bon, c'est bien d'avoir une pseudo date, et encore, faudrait qu'elle soit sûre. Mais la question, c'est qu'est-ce qui sera annoncé durant ce Nintendo Direct? Car oui, là, faut remettre les compteurs totalement à zéro concernant les jeux qui vont sortir sur Nintendo Switch. On n'a quasiment aucun AAA d'annoncé. Donc toutes les annonces qui vont être dans ce prochain et possible direct, ça sera des nouvelles annonces, à part certains détails sur certains jeux qu'on nous a annoncés, mais il y en a très peu. La première chose dont on peut être sûr, c'est qu'on verra sûrement les premières images de gameplay de Zelda Breath of the Wild 2. Le 1 a été un phénomène dans le monde du jeu vidéo entier, et Nintendo compte bien s'appuyer dessus pour vendre encore des Nintendo Switch. Ils montreront aussi sûrement du gameplay des DLC de Pokémon Épée et Bouclier, car ils sont également très attendus et même au tournant, car le premier trailer était véritablement sensationnel et a remis la hype sur Pokémon. Sauf que, ok, elle a remis la hype, mais faut bien rajouter quelque chose pour que les gens se souviennent que ces DLC existent. Parce que pour l'instant, on a eu des annonces, on a eu une seule annonce, et ça a été le silence total, on n'a plus jamais réentendu parler de ces DLC. On peut aussi imaginer des jeux Mario qui seraient annoncés, comme une suite à Mario Odyssey, et désolé pour les fans de Mario Galaxy, mais une suite sera sûrement très peu envisageable, mais bon, on peut toujours rêver. L'un des jeux Mario qu'on peut également attendre, c'est Mario Kart 9. Car oui, Mario Kart 8 Deluxe n'est pas le vrai Mario Kart de la Nintendo Switch, et évidemment qu'on aura un vrai Mario Kart pour la console avec énormément de nouveaux contenus, et lui aussi il est attendu au tournant parce que les Mario Kart sont des jeux assez dingues et très amusants qui durent sur la durée, donc moi personnellement c'est un jeu que j'attends avec impatience. On peut également attendre un nouveau jeu Splatoon, car oui, le 2 était sorti très tôt sur la Nintendo Switch, et Splatoon ça a été la licence à succès que Nintendo a découvert, ils ont testé, ça a fonctionné et ça a été assez dingue, donc oui, on imagine qu'un nouveau Splatoon devrait et pourrait arriver. Qui sait, et on l'espère dans pas longtemps. Ça serait sympa qu'il y ait un nouvel opus qui réinvente l'expérience de jeu, hein, surtout que certains théorisent même sur un Splatoon 3 qui devrait arriver bientôt via cette image qui a été postée sur le Twitter officiel du jeu. Ah oui, oui, je sais, hein. Certains diront que c'est un peu abusé de théoriser un Splatoon 3 juste parce qu'il y a un personnage du jeu avec ses cheveux qui dessine très clairement un 3. Hein, franchement, dites-moi que je suis pas fou, on est d'accord, on voit vraiment un 3 sur ses cheveux. Donc qui sait, peut-être que ça arrivera très bientôt. On pourra également attendre l'annonce d'un des nouveaux personnages du Fighter Pass de Smash Bros Ultimate. Et oui, il est très attendu ce second Fighter Pass. Beaucoup théorisent, certains parlent de Steve de Minecraft ou encore de Sora de Kingdom Hearts. Et non, vous n'aurez pas votre Goku, votre Luffy. Ce n'est pas parce qu'on a eu un personnage de Persona 5 que c'est bon, c'est l'ouverture à tous les personnages d'anime. Si Joker a été rajouté dans Smash Bros Ultimate, c'est parce que Persona est avant tout un jeu vidéo qui a été adapté en animé, certes, mais c'est avant tout un jeu vidéo. Alors les Goku, les Naruto, les Luffy, non, il y a vraiment très peu de chances que ça arrive dans le jeu, même si, j'avoue, ça serait trop bien de le voir dans Smash Bros. Mais certains vont peut-être s'arrêter et mettre un commentaire en me disant « Schisto, c'est bien beau, mais là tu nous parles que de saga de jeux qu'on connaît. » Et effectivement, je pense que Nintendo devrait annoncer des nouveaux jeux et pas de suite ou des DLC, dans le sens où là on a pas mal de DLC ou de sagas de jeux qu'on connaît déjà, un possible Mario Odyssey 2, un possible Splatoon 3, des DLC Smash Bros ou encore un possible Mario Kart 9. Il faut vraiment qu'ils mettent le paquet sur cette Nintendo Switch, la console cartonne, il faut absolument que de nouveaux jeux sortent et pas de sagas qu'on connaît ou de sagas qui soient un succès. Évidemment que les jeux de sagas à succès seront vendus, feront énormément de ventes, et j'espère vraiment qu'ils testeront avec leurs sagas à succès des nouveaux types de jeux, ou qui sait, peut-être un nouveau petit bébé Nintendo qui va être exceptionnel comme l'a été Splatoon et qui va tout rafler sur son passage. En tout cas, j'espère fort que ce Nintendo Direct va arriver, faut l'avouer que je l'attends avec impatience parce que comme je l'ai dit, les compteurs de la Nintendo Switch sont remis à zéro. Certes, elle est énormément vendue, c'est un succès qui est phénoménal et planétaire. La Switch touche tout le monde et toutes les tranches
tranche d'âge, mais il faut que des jeux sortent. Évidemment que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo en termes de spéculation, je pense certainement et sincèrement qu'ils ne seront pas tous annoncés en même temps. J'ai pas mal de fois pour la plupart des possibles jeux dont je vous ai parlé aujourd'hui, que ce soit Mario Kart 9 ou encore Splatoon 3, sans parler d'une suite à Mario Odyssey, mais je pense pas qu'ils seront annoncés en même temps. Pour la simple et bonne raison qu'il faut répartir les jeux de manière équilibrée pour que la Nintendo Switch se vende sur toute l'année et sur plusieurs années. Du coup, on verra si ce Nintendo Direct va arriver et s'il sera riche en surprise ou non. Évidemment que j'attends d'être surpris. Moi, c'est toujours ça que j'attends le plus dans un Nintendo Direct. J'espère que je n'ai pas tout trouvé et que ces spéculations, la plupart, seront infondées et que je vais être surpris, voir de la nouveauté et voir des choses que je ne pouvais même pas imaginer dans cette vidéo. Bref, on se dit à très très vite. Portez-vous bien et prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner vos spéculations dans les commentaires de cette vidéo. Portez-vous bien, c'était Schisto. Allez, bye tout le monde.